écoutez Koé, c'est bien, le voir, c'est mieux. Allô? Ouais, Pat. Allô? Allô? Ouais, Patrick, ça va? Oui, ça va, ça va pas du tout. Hein. Pourquoi ça va pas? Qu'est-ce que... Parce que ces employés, c'est tous des bois rien, c'est tous des... À croire que c'est tous des handicapés, que je recrute que de la merde. Ouais. T'as été au bureau ce matin? Laisse tomber, depuis ce matin, les appels, ils arrêtent pas. Un qui m'appelle pour se plaindre d'un employé qui me dit qu'il l'a traité comme du bétail et qu'il ne sait pas le mobiliser. Un autre qui m'appelle pour me dire qu'il y en a un qui rentre dans un lotissement en sens interdit. Je commence à en avoir marre, moi. Et on t'a pas appelé pour dire qu'il y a d'un de tes véhicules qui est à l'arrêt, non? Il y a de mes véhicules qui quoi? Écoute, t'as vu, je devais la laisser en but hier. Oui. Et du coup, je m'en suis servi là ce matin. Je vais vite fait aller au tribunal. J'avais 2-3 trucs à faire. Et je viens de me faire arrêter là. C'est pour ça que je t'appelle. Je viens de me faire arrêter par les becs. J'ai grillé un feu rouge. J'étais pressé. Et du coup, voilà, je t'appelle. Comme si j'avais pas assez d'emmerde. Faut que ce soit mais encore. Mais c'est rien. Écoute, mais c'est pas mais grave. Mais y a pas d'écoute. J'écoute plus là, cette heure-ci. Ça fait. Je me tasse les couilles depuis 6h du matin, là, et depuis ce matin, j'entends ça, j'entends des trucs comme ça. Qui c'est qui va m'appeler après pour m'accompagner? Ouais, mais attends, déjà, tu devais pas travailler aujourd'hui. Pourquoi t'as qu'à arrêter pas de travailler? Pas travailler. Quand il y en a qui se lèvent pas pour venir travailler, je suis obligé de venir travailler. Voilà. Ouais, tout ce que j'ai monté, tout ce que j'ai mis en place, il y a personne qui va me... Tu t'énerves pas contre moi, tu passes pas tes nerfs. Écoute, c'est important. Tu passes pas tes nerfs, tu me dis que mon métier est de l'arrêt, je me passe pas mes nerfs. Non, mais... J'ai grillé un feu rouge, y'a rien de grave, j'ai grillé un feu rouge. Y'a rien de grave, non, un feu rouge, y'a rien de grave. Non, ça fait 10 ans, ça fait plus de 10 ans que je conduis des ambulances et j'en ai pas grillé de feu rouge. Ouais, et moi j'ai grillé un feu rouge avec l'ambulance et je me suis fait arrêter, ça. Eh ben tu te démerdes, tu te démerdes. Voilà, il est hors de question, faut pas m'appeler maintenant pour me dire que je vais prendre les points, que c'est moi qui vais prendre les points ou que c'est moi qui vais payer les amendes. Mais j'en ai rien à foutre. Non, mais écoute, je t'ai pas demandé de prendre les points. Là, le problème, c'est que... Non, mais je préfère t'avertir. Je préfère t'avertir. Écoute-moi, là, le problème... Je fais que ça, écoutez. Le problème, alors qu'il est, c'est pas le feu rouge. Le problème, c'est que les flics pensent qu'on fait un trafic avec l'ambulance. J'ai dit qu'elle était à toi, c'est tout. Quel trafic? Eh ben écoute... Quel trafic? J'ai jamais fait aucun trafic, moi. Je crois que je suis un... Quel trafic? Je crois que je crois que la sécu, moi, je fais rien du tout, moi. D'accord? Je fais rien du tout, moi. J'ai des ambulances, je transporte des patients, je transporte des gens, et c'est tout. Quel trafic? Vincent... Et qu'est-ce qu'il y a d'illégal dans tout ça? Quoi? Écoute, Patrick, il y a Vincent avec moi, il a du shit sur lui. Quoi, Vincent? Cette espèce de connard, là, tu traînes encore avec ce machin, là? Allez, je traîne encore avec lui, je suis amoureuse de lui, je vais pas... Attends. Eh ben, t'es amoureuse de lui, tu vas rester avec lui et tu m'oublies, moi, d'accord? C'est bon, ouais. Ça, combien de fois? À chaque fois qu'il vient, tu me dis, il m'a fait ci, il m'a fait ça, quand on va le voir, après, tu trouves encore le moyen de te mettre avec ton culé, hein? Oh! Écoute, on fait comment, là? Tu peux venir, tu peux te déplacer? Où ça? J'ai des courses à faire, moi, j'attends quelqu'un, là. Je suis à Montrond, j'attends quelqu'un, là. J'ai une course à faire, là, maintenant. Il faut que tu te déplaces, parce que les flics pensent qu'on fait un trafic avec l'ambulance, j'ai dit qu'elle était à toi. Donc maintenant, c'est quand même toi le propriétaire, tu viens, c'est tout. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé, l'ensemble? Qu'est-ce qu'il y a eu dans l'ensemble? Écoute, ils ont trouvé ce fameux shit, là, ce cannabis. Et du coup, Vincent aussi, il a tout mis sur ta gueule, t'es dans la merde. C'est tout. Comment ça, il a tout mis sur ma gueule? Ah, c'est à toi, tu veux que ce soit à qui? C'est pas à lui. Écoute, s'il te plaît, tu vas assumer. Assumer quoi? Écoute, vous allez surtout assumer les claques que vous allez prendre dans votre gueule, ouais. Écoute-moi bien. Si maintenant il m'arrive quoi que ce soit, s'il me bloque des véhicules, je peux plus travailler. Tu comprends? Si ça arrive jusqu'aux oreilles des établissements hospitaliers pour lesquels je travaille, c'est terminé. Je vais mettre la clé sur la porte. Écoute, arrête de me parler des établissements. Fume un pétard, ça te détendra le cul. Et puis c'est tout. Viens, s'il te plaît. Viens régler tes problèmes, là. T'es en train de parler à qui, là? À toi. Tu vois pas que tu me casses les couilles, là, avec tes établissements, tes machins. Va à la retraite anticipée, tu connais pas? La retraite, c'est pas avec le branquignol que j'embauche, c'est pas avec... Mais la retraite, c'est pas... Il y a la retraite de c'est pas avec le branquignol que j'embauche. J'ai à croire que j'embauche que des handicapés. La retraite, j'y pense même pas. Avec tous ces clochards que... Voilà. Mais écoute-moi bien. Tu sais le Vincent en question, là. Le Vincent en question. Si mes ambulances, elles ne marchent plus. Si mes ambulances, j'ai plus d'autorisation. Si on me retire les agréments.
Vous avez si on me retire les agréments, tu dis à Vincent que sur les ambulances, je vais enlever tous les autocollants. Tous les autocollants bleus, je vais les enlever. Je vais garder une camionnette blanche et sur la camionnette blanche, je vais les faire tapiner. Voilà, je vais le poser sur un trottoir et je vais le faire travailler. Madame. C'est lui qui va travailler pour moi juste à... Écoute, il y a des gendarmes. Vous êtes en ligne avec qui, madame? Parce que vous donnez les papiers du véhicule et vous mettez la drogue sur le capot, s'il vous plaît. Deux petites secondes. Vous arrêtez de téléphoner. On n'a pas le droit de téléphoner. Vous êtes mis en garde à vue. Non, mais j'appelle le propriétaire, monsieur. Mais vous allez être mis en garde à vue, madame. Hein. C'est lui. Ah, mais il n'y a pas de garde à vue. Non, mais écoutez-moi, il n'y a pas de garde à vue. Le propriétaire va arriver. C'est mon oncle. Patrick, je vais vous passer si vous voulez, c'est lui, j'ai pas de ça à faire. C'est lui le responsable du circuit de drogue, donc Patrick. Ouais, c'est ça. C'est lui. Tout est à lui. Hey. Oh. Tout est à lui, donc la drogue, le véhicule, le contenu, ouais. Le contenu, c'est à lui, donc d'accord. Donc, voilà. Vous notez, Michel, donc la drogue contenue dans l'ambulance, c'est à lui. Qu'est-ce que tu es en train de raconter comme connerie, là? Monsieur Patrick. Rien, il est en train de noter que c'est ton véhicule, c'est tout. Arrête de gueuler, toi. Arrête de gueuler. Et que la drogue, c'est à lui, donc. Mais qu'est-ce que c'est quoi, cette connerie, là? Il n'y a rien du tout à moi, là. Vous faites quoi, là? Vous nous confirmez que le shit, c'est bien lui, madame. Oui, le shit, c'est à lui, ouais. Mais qu'est-ce que tu es en train de lui dire, là? On parle d'un kilo, quand même. On parle d'un kilo, vous savez, madame. C'est pas 100 grammes. Non, mais c'est malin, le coup de l'ambulance, hein. Le coup de l'ambulance. Qu'est-ce que tu fais, là? C'est quoi, là? Le coup de l'ambulance pour le transport. Ah, écoute, je suis avec les gendarmes. On n'avait jamais vu. Mais alors, je suis avec les gendarmes. Assumez vos conneries, pourquoi tu me. Oh! Après toi, ça crie que moi, tu me. Tu comprends pas? Quoi? Attends, je prends le téléphone. Allô, je prends le téléphone. Allô? Allô, oui. Bonjour, monsieur. Donc, vous êtes le propriétaire de la drogue qui a été saisie, monsieur? Non, excusez-moi. Monsieur, on parle d'un kilo au minimum. Hein. Oui, non, excusez-moi, monsieur l'agent. Votre nièce dit que vous êtes le propriétaire et le commanditaire de la drogue. Non, je suis le propriétaire du véhicule. Propriétaire du véhicule, ça veut dire que votre véhicule sert de mule, monsieur. Vous servez des ambulances pour passer la drogue, monsieur. Écoutez, monsieur, s'il vous plaît, depuis ce matin. Non, mais écoutez-moi, s'il vous plaît, monsieur. Excusez-moi de vous couper la parole, mais voilà. Depuis ce matin, rien qu'on m'appelle, la sécu m'appelle par-ci. Monsieur, c'est pas mon problème. Chacun a des problèmes dans la vie, monsieur. Moi, je suis en train. Monsieur, excusez-moi, avec tout le respect que j'ai pour vous. La politesse est une chose, monsieur. Vous transportez de la drogue. Non, mais monsieur, écoutez. Ah, c'est malin. C'est malin, vous l'avez dit 4 fois déjà. C'est malin. Hein. Ah, ouais. Assume tes conneries. Madame, arrêtez de dire assume tes conneries. Mais c'est elle qui est mise en cause. Non, elle dit. Il n'y a rien du tout. Écoutez-moi, monsieur, s'il vous plaît. Elle dit que c'est vous, elle a dit assume tes conneries. Je ne parle pas à moi. Non, mais écoutez, sinon, s'il vous plaît, excusez-moi de vous couper la parole. Mais ça met dans la merde. Ouais, elle dit que vous mettez sa votre nièce dans la merde, monsieur. Ça, c'est pas bien. Il faut dire que c'est vous aussi. Hein. Ça sert à rien, monsieur. On le sait que c'est vous. Vous savez, vous allez craquer. Vous allez craquer. Ça fait 5 fois que vous dites que c'est vous. Elle va se prendre des tabs dans sa gueule. Mais monsieur, c'est des merdes, elle. Le véhicule. Écoutez, vous allez craquer, monsieur. Vous allez craquer. Vous le direz que c'est vous. Monsieur, écoutez-moi. S'il vous plaît. On saisit le véhicule, chef. Non, mais écoutez-moi, monsieur. Non, mais attendez, je rêve là. Et vous êtes où là? Je vais venir, je vais m'expliquer en direct. Toute façon, monsieur, vous allez venir, puis prenez une brosse à dents, hein, je vous le dis, parce que vous n'allez pas repartir de suite. Un kilo, c'est un kilo, monsieur. Hein, une brosse à dents, je prends. C'est le plus gros trafic qu'on ait trouvé, monsieur. Mais vous êtes trafiquant, monsieur, vous êtes. S'il vous plaît, maintenant moi aussi je commence à. Je commence à l'avoir marre, moi. Monsieur, vous allez baisser d'un ton. Oui, d'accord, comme on dit dans la police, même d'un deux tons. Écoutez, voilà, non mais il n'y a pas de souci. Non mais monsieur, parce que nous on a saisi la drogue. Écoutez-moi bien, monsieur. Tu peux faire la tapette dans la rue, il fait le mal avec les gendarmes. Non mais c'est du jamais vu, ça. Calmez-vous, madame, hein, calmez-vous. Parce qu'en plus, monsieur, vous faites la tapette dans la rue. C'est-à-dire, attendez, parce que déjà, je le rajoute au dossier. Vous rajoutez au dossier, parce que j'ai recelé la drogue. Et j'ai prostitution maintenant, monsieur. Donc, prostitution, parce que vous faites la tapette dans la rue. D'accord, parce que monsieur, j'ai saisi la dite drogue de la susdite nommée affaire de qui plus est. Et non moins des autres. Vous voyez? Non, mais monsieur, écoutez-moi, s'il vous plaît. Ajoutez prostitution au dossier du monsieur. Je suis impressionné, sacrément malin. Excusez-moi, monsieur l'agent, il a menacé mon mec. Il a dit qu'il allait le mettre au tapin aussi. Proxénète alors. Vous êtes Pronexète, monsieur. Alors ça, vous savez. Écoutez, monsieur le Pronexétisme. S'il vous plaît, 30 secondes. Non, mais s'il vous plaît, écoutez-moi, monsieur.
Voilà. Monsieur, écoutez-moi 10 secondes, après vous allez rajouter un chef d'inculpation, vous allez me dire oui. Outrage à un agent ou je ne sais quoi. Il y a outrage. J'allais vous le dire, monsieur, il y a outrage. Et ben voilà, on le met, voilà, vous avez gagné. Alors vous avez fait le fanfiron, et ben voilà, outrage. Laissez-moi m'expliquer. Ça veut faire le fanfiron, ben voilà, c'est. Monsieur, laissez-moi m'expliquer. Monsieur, l'agent. Monsieur l'agent. Non, mais on va se calmer l'autre là. Monsieur l'agent Coé. Monsieur l'agent, s'il vous plaît. Monsieur l'agent Coé, s'il vous plaît. Voilà. L'ambulance, monsieur, je suis. Monsieur, écoutez-moi. Non, monsieur Coé. Monsieur, je suis. Monsieur Coé. Non, mais écoutez-moi, je suis ambulancier. Je suis pas trafic de drogue. Non, s'il vous plaît. Soyons précis. Monsieur, il y a outrage. Que je vais désormais, voilà, s'ils sont en train de se foutre de ma gueule là. Appelez-moi, monsieur. Les autocollants sur les voitures. Mais monsieur, vous êtes obtenu pour de la drogue, c'est pas parce que vous enlevez les autocollants que ça va changer grand chose. Ouais, c'est pour faire patiner. Mais si, un kilo, monsieur, lâche tout, fais le youkoun-koun dans le klaxon, on le veut, on l'a vu, monsieur. Mais je suis ambulancier. Et les diamants dans la batterie. Monsieur, faut y aller là. Alors moi, vous m'appelez monsieur Coé d'énergie. Voilà. C'est malin aussi. C'est malin, ouais. C'est malin, ça. Hein. Je sais pas ce que je l'ai dit déjà. Malin, on est tellement con qu'il a pas compris. elle est incroyable. Monsieur Coé d'énergie, le bonhomme de neige. Le bonhomme de neige. Bonhomme de neige. Pourquoi bonhomme de neige? Bouboule. C'est pas. Pourquoi bonhomme de neige? Pourquoi bouboule? Qui c'est? Pourquoi? C'est de ma gueule là ou quoi là? On est sur énergie, c'est une vanne. Allez. C'est drôlement malin, ouais. C'est drôlement malin, chef. C'est lui qui m'a incité à t'insulter. Hein. C'est lui qui m'a dit de t'insulter. Oh, j'en ai de la vie. Patrick. T'as pas honte. On lui a dit, c'est pas une bonne journée pour Patoche. C'est une blague. Patoche, c'est une blague. Tout va bien. Il n'y a pas de problème avec l'ambulance. Il n'y a pas de drogue. Ouais, depuis ce matin, j'arrête pas. Mais j'arrête pas d'être entouré de bois, rien. Mais c'est ça, avec tous les handicapés du travail. Mais qu'elle traîne encore avec ce Vincent là. Qu'elle traîne encore avec ce Vincent, je vais vraiment faire tapiner. Oui, mais là, c'est ça autre chose. Par contre, Vincent, tu lui fous la paix, mais on a envie de voir. Non, mais lui, je vais. Retrouvez toutes les vidéos sur le Facebook de Coé.